Alors, comment faire des paniers de mimosa? Pour 4 personnes, il vous faut 4 tomates, 3 œufs, un demi-avocat et de la mayonnaise, de préférence faite maison. Alors, pour préparer votre panier de tomates, coupez deux parallèles au niveau du milieu de la tomate pour faire la anse. Ensuite, vous allez découper un quartier de tomate, donc toujours par le milieu, comme sur la vidéo, comme je suis en train de faire en fait. Et ensuite, donc, on va vider l'intérieur du panier. Donc pour cela, découpez l'intérieur. Et à l'aide d'une cuillère, videz le tout. Voilà, comme ceci. Donc faites-en autant que vous avez d'invités. Ensuite, pour la préparation des œufs mimosa, découpez, donc retirez l'intérieur d'un demi-avocat que vous allez bien écraser de façon à faire comme une purée. Ensuite, vous allez découper en morceaux les œufs que vous allez écraser de la même manière avec une fourchette pour faire le moins de morceaux possible. Votre deuxième œuf. Et le troisième. Une fois vos œufs bien écrasés avec l'avocat, ajoutez la mayonnaise et mélangez le tout. Votre préparation terminée, remplissez, vous n'avez plus qu'à remplir vos paniers. Donc soyez assez généreux sur la quantité et incorporez-le dans la tomate. Ajoutez quelques brins de ciboulette ou du persil pour la déco et servir surtout bien frais.